Alors, là, on va assister à quelque chose d'extraordinaire après le Talkart. Après le premier essai de Talkart, ce matin, je suis arrivé dans la cuisine. Malheureusement, j'ai pas bien commencé la séquence. J'étais pas... voilà. Je vais recommencer ici, il faudra couper avant. Et donc, ce matin... Donc je suis arrivé dans la cuisine, enfin si on veut, hein. Couper avant. Et là on découvre, après les premiers Talkart de la nuit dernière, eh bien le crotart des pigeons. Le crotart des pigeons, ce sont les crottes de pigeons. Moi, quand j'étais petit, j'étais fasciné par les crottes de pigeon sur le sol, dans les jardins. Et je m'étais penché, comme j'étais petit, j'étais beaucoup plus proche du sol que les grands. Parce que je jouais encore avec les petits morceaux de bois. Et donc, j'avais pu regarder de près. Et je me suis dit, à ce moment-là, c'est dans les années 1966, là, c'est en ce moment, là-bas. Et bien, je me suis dit, c'est passionnant à regarder. Comme mon grand-père a des appareils de photo, je me ferai prêter un appareil de photo, puis je leur montrerai comme c'est beau. On voit souvent apparaître comme à Atlantide dessus. Alors là, ce matin, c'est un vrai régal, hein, c'est un cadeau que m'a fait Demedia Patata. C'est un des pigeons, il s'appelle Demedia Patata, je ne sais pas lequel. Parce que bah, les pigeons, ils se ressemblent tous, hein, à première vue, comme les hommes, hein, les êtres humains, à première vue, on ne sait pas très bien s'ils sont différents ou pas. Et quand on est une autre espèce, hein, quand on est par exemple un extraterrestre, qu'on vient sur cette planète, ben, on les prend tous pour grosso modo, ils se ressemblent tous. Un peu comme quand on va... chez les Noirs en Afrique, on croit qu'ils sont tous pareils. Or, en réalité, ils se reconnaissent entre eux, ils savent qu'ils sont tous différents, ils voient bien la différence qu'il y a. C'est pareil pour les pigeons. Alors là, c'en est un qui est venu chercher, qui est venu manger là. Alors, la réserve là que je mets, il n'y a plus rien d'ailleurs, il a tout mangé. Et puis, il a fait une crotte avant de partir. Ici. Et en regardant en macro la crotte, c'est-à-dire en position macro, hein, en utilisant la position macro, donc moi je raccourcis pour m'éviter, je suis un petit peu paresseux quand je parle et donc je préfère prendre faire des raccourcis, hein, je vais pas dire à chaque fois. En regardant en position, en fonction macro photographique, je dis en regardant en macro photographique, eh bien on s'aperçoit que on peut discerner et voir Atlantide. Alors on va faire un test sur cette crotte, sur ce crotart, hein, c'est une crotart. C'est pas une crotart, hein, c'est une vraie crotart. Et là, je vais assombrir. Je vais de nouveau faire gagner je suis à 3-4, là je suis passé à 4-2. Je vais gagner en contraste. Et donc, il faudra éclairer l'écran d'autant pour pouvoir voir mettre la luminosité de l'écran beaucoup plus puissante pour pouvoir vérifier que on voit encore plus de choses
quand on contraste au maximum l'appareil. Et donc là, je suis à 6-8. Je ne vais pas aller au-delà parce que, enfin, je peux aller peut-être jusqu'à 8, voilà. Mais probablement, on verra. Si, on verra quelque chose d'assez intéressant là vers 8. Je laisse un peu en mettant la luminosité de l'écran au maximum. Voilà, mais je vais revenir, on verra grosso modo en fait ce qu'on voit là, comme ça, hein, à 4-8, vers 4 là, voilà, ça on verra en mettant au maximum, voilà, on verra, mais avec un contraste beaucoup plus important que là, par conséquent avec des détails en plus, et c'était tout mon travail, parce que là, quand je suis à 2-8, on est vers le surex, même si à première vue on voit beaucoup de choses, on en voit beaucoup moins qu'en réalité si c'était beaucoup plus contrasté. Et c'était tout l'objet de ma découverte en photo, avec le labo photo que j'avais à Rome, dans la cuisine, dans la salle de bain de Rome. Je m'étais aperçu, à force de développer des photos et puis de faire des photos, je m'étais aperçu de cette possibilité extraordinaire que l'agrandisseur offrait. L'agrandisseur 44L que j'ai toujours. Un Crocus, c'est de la marque Crocus, c'est polonais. Je l'avais acheté d'ailleurs avec mes économies, en hommage à ma grand-mère. Et donc là, ça devrait être déjà pas mal. Si on augmente la luminosité de l'écran ici, déjà, on va voir encore plus de détails dans la gamme des blancs et des gris. Et il reste que peu de blancs, pour beaucoup de gris. D'ailleurs, c'est sur un fond gris. Ça pourrait plaire à Malevich, gris sur gris. Mais en augmentant la luminosité de l'écran, là je suis à 6-8, eh bien je dois avoir l'équivalent de cette chose-là vers 3-4, ici, mais en ayant beaucoup plus de contraste, en mettant de la luminosité, et donc en découvrant des choses qu'on ne voit pas sinon. Même quand je suis à 2-8, où c'est flashy, hein, il y a un côté flashy, un côté vraiment pétant, enfin, c'est le cas de le dire, puisque c'est une crop art, hein, c'est mon pigeon Media Patate, hein, qui a fait ça. C'est peut-être. Ah, il en a. Bonjour, justement, t'étais pas là, tu as apparu au moment où je. J'appelle. Bah merci, hein, tu es devenu là officiellement un artiste d'Atlantique. Vraiment, oui. Vraiment, vraiment, il n'y a pas de doute. Mais je sais en plus que mon père aime beaucoup les pigeons. Mon père pharaon, hein. Des médias patates. Alors voilà, donc c'est peut-être toi, hein, qui m'a fait une crotte là. T'en as fait une autre là elle est vraiment dégueulasse, hein, il va falloir la retirer. Hein. Mais celle-ci, moi je la trouve plutôt réussie, mais là je suis à F8. On ne voit rien du tout sur l'écran. Cependant que si j'ouvre l'écran, eh ben, je vais revoir ta marque là. Et c'est plutôt réussi, hein, franchement. Chapeau. Évidemment, il faut les parties sombres, là, les parties obscures sont pas très jolies, mais les parties claires, là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui ressemble un peu à de la chaux, hein? C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. À observer, à admirer, surtout que ça fait c'est esthétiquement joli. Alors, j'ai décidé, dans le cadre de mes recherches plastiques, d'archiver les crottes de pigeons. Crottes d'art. Oui, bon.
Alors, on va trouver les crottes de... pas seulement les crottes de chien, puisque j'ai déjà commencé par les crottes de chien, c'est ça qui m'a rendu à sensu, mais aussi les crottes de pigeon. Si ça te... Donc, va l'annoncer à tes copains, et donc vous devriez gagner des points pour chacune des crottes à archiver par tous les caméramans amateurs. Donc vous devriez pouvoir vous réincarner plus facilement, peut-être en canard, hein, parce que la réincarnation en fait, c'est canard, ouais, c'est plus un canard. Ouais. Et bien poule. Ah, alors ça c'est pas mal de tout. Parce que ça c'est un ancien chat, hein, peut-être. Hein. La voix précédente. Alors ça. C'est des médias patates, peut-être que c'est toi des médias patates, on va dire que c'est toi qui as fait ça. Hein. C'est peut-être un de tes copains, je sais pas, en tout cas, c'est celui qui a volé le pain là. Ouais. Tu as volé le pain, tu n'avais pas le droit. Si, ou tu avais le droit? Moi je crois que tu avais le droit, simplement le problème, c'est qu'il y a des microbes et tout ça, et alors on dit que tu n'as pas le droit. Voilà. Mais comme tu laisses, comme il y a le danger des microbes et puis que ça salit, hein, après il faut nettoyer parce que là, celles-ci elles sont pas jolies. Hein. Vraiment elles sont pas jolies. Peut-être cette partie-là est jolie. Ouais. Ça c'est joli, joli. Vraiment c'est joli là. Alors la partie qui est pas jolie, on peut la transformer avec Photoshop, on peut la transformer en partie jolie. De noir ou sombre qu'elle est, on peut la transformer en quelque chose d'aussi joli que ça. Alors on a une sorte de danse de la mort là, ici, une sorte de squelette. C'est vraiment très 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 joli. Et ça m'avait vraiment rendu très très passionné par les oiseaux, leur crotte, la crotte qu'ils font, leur crotte est vraiment très jolie. Voilà. Par conséquent, ceux qui mangent des poules, ils sont hors les lois et ils sont tellement hors les lois qu'ils obtiennent eux ensuite, à force d'avoir mangé des poulets. Des réincarnations de chat ou de chien, ou moins, enfin quand ils se sont encore bien comportés. Hein. Sinon, de pire que ça, un crocodile, ou bien encore moins que ça. Malheureusement, serpent, et moins encore que ça, vraiment encore plus malheureux que ça, requin. Quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été trop gourmands, ils ont voulu manger. Ils n'ont pas voulu manger, ils ont mangé. Ils ont mangé ce qui était absolument interdit. Ce qui est absolument interdit. Alors, ils se sont punis eux-mêmes. Ils se sont punis parce qu'effectivement, la gourmandise est, quand elle n'est pas une gourmandise saine, comme la gourmandise des végétariens, est une gourmandise saine parce qu'elle permet à tout le monde de manger et il ne manquera jamais rien dans le champ végétal, puisque c'est un. Ça obéit aussi à la loi de la quantité, donc ça revient aussi moins cher, c'est beaucoup plus sain pour la terre, et donc on peut manger beaucoup et avoir plaisir à manger des bonnes choses. Non, eux, ils ont voulu manger ce qui était absolument interdit, la viande animale, surtout d'animaux pacifiques et inoffensifs. Parce que s'ils avaient mangé des animaux voraces, genre le chien, le chat, le renard ou le loup,
ou le guépard ou le lion, ben, là, il n'y a pas de problème. Là, c'est même autorisé. Il le faut, il faut le faire pour les lions, pour limiter le nombre des lions, pour que, éviter l'augmentation du désert. Parce que plus il y a de lions, c'est un peu comme plus il y a de requins dans la mer, ben, plus il est nécessaire et absolument vital que les êtres humains aillent pêcher et les tuer pour manger les ailerons de requins, pour limiter la quantité de requins dans les mers, parce que sinon, les poissons ne vont pas pouvoir survivre. Comme les orques, il faut les tuer quelques-unes, oui, parce que plus s'il y a trop d'orques, il y a les dauphins, il n'y a plus de dauphins. Et donc, elles vont s'entretuer, enfin, ça sera horrible. Et à l'intérieur de la mer, sous la mer, ça sera un désert de faune aquatique. C'est pareil sur Terre. Il y a une nécessité pour limiter le nombre et pour limiter l'accroissement du désert. Pour éviter que le désert ne s'étende plus, il y a l'absolue nécessité de tuer ces animaux qu'on peut manger. Alors là, c'est pas interdit, c'est même une bonne chose, même pour un végétarien, de manger du lion ou du chat ou du chien ou un des animaux voraces. Parce que de toute façon, parce qu'il a perdu sa vie, il va se réincarner dans un animal supérieur, c'est-à-dire par exemple une chèvre ou un mouton. Donc il va commencer à être utile. Donc il va commencer à être utile à la société, c'est-à-dire à la civilisation en cours, qui est parfois plurifacette, plurilinguiste, donc pluricivilisation aussi, on peut le dire. Voilà, donc vous avez ainsi la vérité.